d'un point d'écart entre les deux Coréens du Sud. Précisément 8 dixièmes entre les deux Coréens. Aïe, avec une erreur en tout début de programme, coupé écart, jambes fléchies, les jambes ont touché les barres, ici ça tourne sous bras fléchis, Soleil Diamidov, les jambes qui s'écartent, Soleil double groupé, assez petit, c'est du petit travail là, ici le tipelt, là aussi un manque d'amplitude très net, double groupé dans les barres, ça c'était beau, et malheureusement un manque d'élan après la double rotation un peu déstabilisée, on n'arrive pas à remonter jusqu'à la terre, grand tour sur un bras, salto au-dessus des barres suivi d'un double salto carpé en sortie, bah, c'est pareil, hein, ça promet, il y a du contenu, mais pour l'instant ça ne passe pas. On le sent assez fébrile hein, sur la grève, on le voit trembler un petit peu. Ouais, ce n'est pas exactement la même gym, effectivement, ouais, que Yangwei. Moins de solidité. C'est un gymnaste déjà un peu plus grand que Yangwei, donc c'est toujours un peu plus difficile de maîtriser son corps quand il est emporté avec de l'élan. Regardez ici, il n'a pas assez de force pour revenir à l'ATR et là la sortie, un petit sursaut. Il a l'air jeune, mais il n'est pas tout jeune, il a 20 ans. C'est vrai que c'est encore un gymnaste en formation qui a encore beaucoup de progrès à faire pour atteindre le plus haut niveau mondial. 14 750, ça reste néanmoins une bonne note.